L'œil de Philippe Cavrivière. Ça nous fait presque 7h56. Philippe, Laurent Berger est donc resté pour votre chronique. Il me semble qu'il est déjà venu auparavant, non ? Oui, alors, oui. Le visage me parle. Oui, oui. Oui, forcément, vu qu'il est venu 8 fois. Oui, alors, voilà, 8 fois qu'il vient, c'est le 8e jour. Depuis septembre. Hein. Oui, depuis septembre. oui, pas cette semaine. Le 8e jour, vous rappelez de ce film formidable avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne, le jeune acteur trisomique. Alors, qui de nous deux fait Daniel Auteuil ? Qui fait Pascal Duquesne ? Bon, bah, c'est moi qui vais faire Duquesne parce que je suis un excellent acteur. On se rappelle qu'il y avait eu le prix d'interprétation oui. à Cannes. Voilà. Ah, j'aime beaucoup Laurent Berger, ça tombe bien, parce que 8 fois quand même. Tiens, tu me mets 8 fois Taubira ou 8 fois Dupont-Aignan, oui. Et ben, je démissionne à la 3e. Voilà. Mais je me disais, est-ce qu'au bout de la 8e visite, est-ce qu'on ne peut pas songer à se paxer, à envisager les choses quoi. Et puis aussi, c'est vrai qu'au bout de 8 fois, le désir peut s'émousser. J'ai peur que notre couple, ballotté par les flots de la vie, se fracasse sur les rochers du quotidien. J'avais même pensé à une chronique à 3. Oui, un plan à 3 avec Philippe Martinez. Mais vous avez l'image, c'est dégueulasse, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Mais à propos d'usure, de lassitude, l'inverse est vrai aussi. Laurent, je comprendrais que tu te dises, bah, j'en ai marre, il aurait le droit de dire, j'ai des revendications, 8 fois Cavrivière, je veux qu'on reconnaisse ma pénibilité, mettez-moi un autre comique, je veux qu'on progresse, mettez-moi du lourd, mettez-moi Jérôme Commandeur, bah, moi je ne suis pas Elisabeth Borne, oui. Je cède aux revendications. Commandeur. Oui, bonjour Laurent Berger, c'est Jérôme Commandeur qui vous parle. Alors vous vous demandez ce que je fous là, je vous rassure. Moi aussi. Dans les soirées, quand bourré, il y a un pote qui vous passe son tel en vous disant « Il y a machin qui veut te parler !» Et le machin en question, il n'a rien à vous dire. Ben voilà, c'est nous deux ce matin. Si là vous êtes à RTL, prenez pas le ristretto, mais le voluto. Parce que le ristretto, ils ne savent pas le faire. Voilà, c'était ma contribution au combat contre la réforme des retraites. Bisous Lolo. Voilà, et on t'attend à 14h chez Jacques Desange. Bon bisous. Ouais, tu veux un moment drôle dans la belle contribution. Commandeur, ben voilà. Bon, alors il y avait un long article hier dans le Figaro oui. sur la relation entre Laurent Berger et Emmanuel Macron. Vos rapports ont toujours été francs et cordiaux, mais depuis, vous l'avez dit, ça s'est tendu, c'est tendu. Vous êtes le caillou dans la berlutie du président. Le magazine Le Point affirme que vous vous tutoyez depuis 2012. Bon. En même temps, quand la personne refuse de te parler, ça ne change pas grand-chose. Et puis, le danger du tutoiement, oui. c'est que tu bascules plus vite dans l'insulte. Ah. On peut vite aller vers... bon, Emmanuel, tu me casses les couilles maintenant. Alors que si tu vous vois, vous me pilonnez les testicules, monsieur le Président, et c'est moins fluide. Voilà. Tu as moins de chances de le sortir. Alors, hier, Elisabeth Borne a donc reçu nos syndicats. Oui, la réunion entre Babou Borne et les syndicats à Matignon, qui devait ne servir à rien, a tenu toutes ses promesses. juste avant la réunion, il y a Philou Martinez qui vous a appelé et vous a dit... Oublie, t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Alors, il n'y a eu aucun malentendu, malheureusement. Non. Tout était perdu d'avance. Ça ressemblait à ces rencontres chez l'avocat entre un couple divorcé pour savoir qui garde la maison. Oui. Ça se passe rarement sereinement et pour un peu que l'homme débarque avec une vénézuélienne de 23 ans, alors là, madame va faire la gueule. Oui. Bien sûr. Pourquoi elle fait la gueule? Parce que finalement, elles veulent pas notre bonheur. Elles ne sont pas dans l'altruisme. Elles ne peuvent pas se réjouir pour nous. Bon, alors, en tout cas, on a tous suivi le débrief sur le perron de Matignon. Oui. La déception se lisait sur le visage des leaders syndicalistes. 55 minutes, 14 secondes, 28 centièmes. Une grosse mi-temps de foot. Et c'est vrai qu'il y avait un côté équipe de foot qui venait de se prendre une branlée à la sortie sur le perron. On avait l'impression d'avoir Laurent Paganelli qui disait « Laurent Berger, Laurent, juste un petit mot. Tu le savais que ça allait être un match difficile, Laurent. On te sent déçu, Laurent. Sur le plan technique, t'as fait le match parfait, Laurent, mais le FC Borne était injouable ce matin. Ils ont fermé le jeu, ils ont verrouillé. En plus, vous avez perdu le numéro 9, Martinez. La recrue Binet, elle n'a pas marqué, Laurent. Voilà, on t'adore, Laurent. On te souhaite un bon match retour. Tu vois, les bonnes femmes, là, comme Binet. Les bonnes femmes et le sport, ça fait deux, voilà. Bon match. Merci, Laurent. Alors, c'est vrai que cette rencontre à Matignon était le baptême du feu pour la nouvelle secrétaire générale de la CGT, oui. Sophie Binet. Terminé le voilà. duo Berger et Martinez, les Catherine et Liliane du syndicalisme, les Daft Punk du bordel social. On imagine qu'il vous a manqué votre filou et sa moustache contestataire, même si au niveau de la bise du matin, vous y gagnez. Au change, c'est pas faux. Elisabeth Borne a parlé d'un échange respectueux, malgré un désaccord sur la... Je le fais moins bien que Jade.
Échange respectueux, mais désaccord sur l'âge. On dirait Jean-Luc Ley qui vient de se prendre un râteau par une collégienne. Alors, la prochaine étape, vous le disiez, c'est le Conseil, la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril. Alors, Laurent, vous n'en attendez rien, car le Conseil constitutionnel, c'est quoi? Bah, c'est un peu la ratatouille en bois de la République. Quelques légumes et beaucoup de conservateurs. C'est pas possible. Alors, Emmanuel Macron recevra les syndicats la semaine prochaine. Lui aussi, pourquoi les... Il a envie de vous dire non, non, mais en aigu. Ouais, non, Borne. Non, Macron. Alors, que fait Macron en parlant du plan eau, de la fin de vie et de la Chine? Ben, il tente d'enjamber la réforme des retraites, de vous passer au-dessus. Et c'est vrai que, du coup, comme il vous passe au-dessus, quand on lève la tête, eh ben, on voit ses couilles. Voilà, suite à rude. Excusez-moi, c'était ma chute. Oui, je me suis compris. Le Conseil constitutionnel, c'est la ratatouille en boîte de la République, je m'en souviendrai aussi. L'œil de Philippe Cavrivière, que l'on retrouve bien entendu aussi sur M6 à partir de 12h30. Merci d'être resté avec nous, Laurent Berger. Bonne journée, on sait que vous avez du travail.